Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un replay nocturne, c'est pour ça que je ne fais pas trop de bruit. Et j'allais me coucher et je faisais une de mes dernières parties. Et je viens de réaliser, alors, ce que j'appellerais la meilleure partie, puisque c'est ma première partie en mode réaliste, où je fais 8 kills. 8 kills. Bon, alors, certes, pas avec un seul char. J'ai utilisé plusieurs chars. Je crois que j'en ai utilisé 3. Et même, j'ai fait une rejouée. Donc, j'ai joué 4 chars. Mais j'arrive à premier. Oh, miracle! Miracle des miracles. Oui, vous voyez, j'ai eu 3 kills. Pour autant, c'est pas moi qui en ai le plus. Hein. J'ai eu un bon collaborateur, un bon Dust Bunter, qui a rien fait. Donc, assistance à destruction, 8 kills. 8 kills, et oui, et voilà. Alors, les prix vengeur, inébranlable, double frappe, héros d'acier, a détruit le plus de chars humains, ne peut être inférieur à 12. Voilà. Professionnel x8, sauveur de chars. Alors, qu'est-ce que j'ai détruit? Oh là, j'ai détruit plein de choses, je ne me rappelle même plus. J'ai détruit un léopard A1, un L44. Ensuite, j'ai détruit un autre léopard A1, A1. Ils aiment bien le léopard. Ensuite, j'ai été détruit par un type 74. Ensuite, j'ai détruit avec mon AMX-30 B2 un Big Light Panzer. Un léopard A1, A1 encore. J'ai détruit avec mon B2 un A1, A1. Kilo Delta, que je n'avais pas détruit. Ensuite, j'ai redétruit, toujours avec mon AMX-30 B2, un Big Light Panzer. J'ai détruit un Léopard 1 et j'ai été détruit par un Gato Disgrazio, un 1-1. En fait, je me suis explosé. Et ensuite, avec mon MX-50 sur BC, le dernier que j'ai utilisé, un vieux de la vieille, mais qui a défoncé joyeusement un Big Light Panzer et qui a foutu le A1 A1 en feu, qui gardait le dernier cap. On était à un poil de cul de gagner, et on a gagné grâce à ça. Et je leur ai dit à un moment, ils me faisaient scier, ils étaient tous autour de lui, il y en avait un, il était en feu, et ces cons bougeaient pas. Alors je leur ai dit, bougez, attaque. Et du coup, tout le monde y a été. Comme quoi, de temps en temps, il faut gueuler un peu pour obtenir des résultats. Donc, et puis en plus, il y a trop la classe du MX-50. Ça, c'est un beau char. Franchement, regardez ça. Ça, c'est la classe. Ça, c'est esthétique. Ça ressemble pas à des bouses britanniques. Ça, c'est une œuvre d'art. Non, mais franchement, quand je le regarde, je me dis, c'est une œuvre d'art. C'est pas une merde comme... Voilà, attendez, regarde, on va rigoler un peu. Allez, un truc qui est moderne. Chariot tir, aperçu. Regardez-moi cette bouse, regardez-moi ce gros tas de merde. C'est moche, c'est anglais. Heureusement qu'ils quittent l'Europe, hein, parce que franchement, garder des gens qui ont aussi peu de goût, c'était quand même très très ennuyeux. Voilà. Premier, oh putain, si on m'avait dit un jour que je terminerais premier dans une bataille réaliste et que je m'amuserais comme un petit fou. Ah mais là c'était vraiment tactique, à un moment là j'étais endommagé le canon et il y avait deux adversaires de chaque côté d'une maison et personne n'osait avancer. Donc du coup j'en détruis un d'un côté, j'en détruis un de l'autre, enfin bref c'est fun. Ouais, c'est rigolo. Voilà, donc je reprends... Voilà, je reprends. Alors, il n'y a pas de bruitage, il y a eu un problème au niveau du son, donc... Bon, pour une fois, il y en a un qui a pris le cap tout de suite, d'entrée de jeu, c'est plutôt efficace.
avancer un petit peu. Ouais, ça aussi, c'est le truc que j'adore. Des fois, t'as un caillou qui te bloque. Oh putain, il y a une map, mais il y a un caillou qui t'empêche de bouger, quoi. Qui t'arrête, mais net, hein. Putain, franchement, j'ai du bol là. Donc, je tire à peu près au même endroit. Et là, je détruis l'équipage. Donc, c'est plutôt un bon signe. Donc là, à 100 mètres, j'ai un type 74. Là, le Beglide Panzer, je ne l'ai pas vu et lui va me prendre à partie. Heureusement, je ne suis pas. Je suis. J'ai pas mal de dégâts. Le type 74, je ne le vois même pas. Donc lui, il a dû se dire, je dois être derrière. Et là, vous allez voir, c'est comme les films comiques, là. Les mecs qui voient même pas qu'ils sont l'un à côté de l'autre, là. Donc voilà comment se termine la première partie. Hop. Donc AMX-30 B2, hop, allez, c'est parti. Et comme vous le savez, j'aime pas me faire tirer dessus. Et généralement, je me venge dans la seconde qui suit. Donc, le Beglide Panzer là. Je sais pas si c'est lui que j'avais vu. Mais hop. Hop, je l'ai refroidi.
Là, je ne vois pas qu'il y a un léopard, donc j'arrive plutôt tranquillou là. Et là, je vois. Hop! Équipage réduit en charpie. Là, il y en a qui essaie de me tirer dessus. J'ai le canon qui est endommagé. Alors, regardez ça. Le comique troupier. Je me dis, il y en a qui va attaquer par derrière, et puis il y en a qui va attaquer par devant. Je vais avoir l'air con, quoi. Donc, du coup, c'est lui qui arrive. Hop. Il a pété ma boîte à médicaments, lui. Ah là, je suis au ralenti, là. Slow motion. Hop là! Le Beglight Panzer, sûrement qu'on a vu tout à l'heure, là. Et là, je pense que. Ouais, je vois pas celui qui m'arrive par derrière. Non. En fait, là, j'ai le truc cassé, voilà. Et il y en a un qui arrive, donc en fait. Je bail out. Voilà, donc il y en a deux qui se pointent. Donc à nouveau une attaque exactement au même endroit. Donc attendez. Donc on peut pas dire que j'attaque pas. Hein. Je vois pas le Beglai Panzer qui me détruit. Ah, oh, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Il y en a encore un qui traîne dans le coin là. Mais on a quand même fait du nettoyage. Et les mecs ici, ils bougent pas. Hein. Il y en a un qui se fait défoncer ici. Le mec, il bouge pas. Hein. Donc c'est plutôt dans ce bâtiment-là que ça se bagarre, quoi. Je tire la langue comme si c'était difficile à faire. Donc là, il y a l'anglais. Donc là, on s'en fout. Alors, c'est pas très rapide en mode réaliste. Hein. C'est beaucoup moins léger et agile que dans le reste. Ouais, je remarque, j'ai vu qu'il y a un mec qui brûle, mais derrière j'ai vu qu'il y en avait un autre qui brûlait pas. Légèrement au-dessus. Et là, ouvre-boîte. Oh, ça c'est un beau tir. Parce que ça, c'est pas un obus flèche. Donc je me suis dit, ça c'est un obus assez rapide, mais c'est pas un obus flèche. Donc il faut que je vise un petit peu au-dessus si je veux réussir à le toucher. Et donc là, je cherche, je sais qu'il y a un léopard qui doit être en train de protéger le cap. Et donc voilà, je vois.
Donc là, encore une fois endommagé là. Il y en a un qui arrive en cramant, là c'était la DCA. Voilà, bah c'est tout, de toute façon, l'autre, ils vont l'attaquer et c'est bon, c'est terminé. Voilà. Wally Walou. Donc ma meilleure partie, c'était celle-là. Voilà, allez, c'est terminé, à la prochaine, ciao ciao.